The Chicago Transit Authority, comme le nom de la compagnie de transport de Chicago. Mais je croyais que tu étais en Orénie. Baltimore, c'est sur la côte est. Bah oui, mais bon, depuis qu'on joue un medley de leurs chansons, j'avais trop envie de voir ce groupe. C'est un groupe de pop-rock qui a été formé en 1967 et qui tourne toujours en 2017 avec 4 membres du groupe d'origine. Ils ont vendu 100 millions de disques. Autant que Mireille Mathieu, tu t'en trompes ? Mon chéri, il a loué un jet privé et hop ! Il dit que rien n'est jamais trop beau pour moi. T'as vraiment trouvé l'homme idéal. Bon, Lita, il faut que je te laisse. Je crois que le chef s'impatiente. Je laisse mon téléphone ouvert, tu pourras écouter cet arrangement de Paul Murtagh, de 3 chansons du groupe, Make Me Smile, Saturday in the Park, and 25 and 6 to 4, sous la direction de Rémi Dubois, dit Simplé. I'm
concert organisé à Bulletin Sucré par le très sérieux bureau de l'Union Musicale. Les récompenses sont des billets de première classe, d'une part, pour le premier prix, et de troisième classe pour le second, pour une croisière sur un navire prestigieux. Cette croisière, organisée par la White Star Line, au départ de Southampton, traversera l'Atlantique pour rejoindre New York en à peu près, disons, 4 jours. À bord, il y a tout ce qu'il faut, un confort moderne avec piscine, ascenseur et salle de sport. Donc, ces jeunes gens seront en parfaite sécurité, car selon un employé de la compagnie, Dieu lui-même ne pourrait pas couper ce paquebot. Donc, allons-y, nous allons découvrir tous ensemble le résultat. Alors, le gagnant du deuxième prix est Monsieur Jack Dawson. Ouais, c'est moi, c'est moi. Faites-lui donc passer son billet. Oui, moi je gagne. Bravo. Nous allons maintenant dévoiler qui est l'heureux ou l'heureuse gagnante du premier prix. Plus fort, vas-y, premier prix, plus fort. Eh bien, l'heureux gagnant est une heureuse gagnante, c'est Mademoiselle Rose David Bucater. Yeah ! Voilà, mademoiselle. Ouh, quel joli coup qu'il forme, ne trouvez-vous pas ? Ah, alors sur le papier, il y a marqué les femmes et les enfants d'abord. Et il y a un cadeau subsidiaire pour vous, Mademoiselle Rose. Est-ce que vous voulez bien lui faire passer ? Bon, non, alors ça, c'est la version moderne de l'artiste, n'est-ce pas, qui fait non plus des dessins, des... Hein, bon, hop, selfie, ok. Bon. Excusez-moi, mais là, il y a sur le papier, là, il y a écrit très exactement la date sur le billet est marquée au 10 avril 1912. Non, c'est arrivé depuis longtemps. Non, mais comment est-ce possible ça ? Non, vous viendrez voir à la fin. Ouais, c'est encore une grosse arnaque. Mais non, c'est pas une grosse arnaque. Oh là là, ça c'est bien. Les hommes, ils sont toujours à se soucier des dates de péremption. Je veux dire, c'est. Franchement. Donc, vous regardez, vous viendrez me voir et on réglera ça. En attendant, on va écouter ce que James Horner nous a mitonné pour accompagner la bande musicale de ce voyage. Vous aurez en plus un orchestre qui va jouer tout au long, et d'ailleurs jusqu'au bout du voyage. Thank you.
Thank you.